Mesdames et messieurs les passionnés de foodies, bonjour et bienvenue chez Sopexa pour le débat Foodies 2.0. Je vous remercie d'abord beaucoup pour votre ponctualité. Je sais que c'est compliqué d'accéder au CIAL à l'heure pour un débat qui devait démarrer absolument à 10h. Donc nous démarrons et les prochains assistants arriveront au fur et à mesure. Donc je suis Charles Collard, je suis le directeur marketing et commercial de Sopexa. Sopexa, c'est l'agence internationale spécialisée dans l'image, la réputation, l'activation trade des produits food and drink à l'international. Au nom de notre président, Jean-René Buisson, et au nom de tous nos experts foodies dans nos 30 agences dans le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce débat qui est organisé pour la première fois en France sous cette forme, c'est-à-dire consacré exclusivement aux stratégies de communication pour les produits food and drink, pour leur permettre de déployer leur communication sur les réseaux sociaux mondiaux pour toucher, dialoguer avec les communautés foodies dans le monde. Je suis donc ravi de vous accueillir. Nous allons avoir des débats très riches. J'espère qu'il y aura beaucoup d'échanges avec les nombreux intervenants qui vont se succéder dans les tables rondes qui se dérouleront jusqu'à 12h30. Et j'ai plaisir également de partager avec vous quelques conclusions, quelques résultats de nos dernières études que nous avons réalisées consacrées aux foodies à l'international. 75%, c'est le taux moyen des foodies dans le monde qui utilisent les réseaux sociaux pour échanger de l'information entre eux et avec leurs pairs des autres communautés foodies à l'international. Il se trouve que ce taux est de 92% en Chine, et de 42% en Allemagne. Donc vous voyez déjà les disparités qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre. 75%, c'est également le taux moyen des foodies internationaux qui disent chercher de l'information sur des produits nouveaux sur les réseaux sociaux. Et là encore, des disparités assez fortes. En France, c'est encore plus fort puisque nous sommes à un taux de 91%. Et enfin, si on s'intéresse spécifiquement aux foodies chinois, ils sont très nombreux à acheter leurs produits directement online. Selon vous, est-ce qu'ils sont 25%, 50%, 75% à acheter leurs produits online? Eh bien, ils sont à peu près 50%. Donc, vous voyez des chiffres très intéressants qui nous permettent de bien comprendre le comportement des foodies et qui révèlent des disparités assez fortes d'un pays à l'autre. Pour aller donc plus loin tout de suite, je vais passer la parole à Mark Tungate, notre animateur. Bonjour. Qui va animer donc les 4 tables rondes que nous organisons ce matin jusqu'à 12h30. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en conclusion. Vous invitez de nouveau à participer à notre cocktail qui démarrera donc dès la fin de ces débats et qui se déroulera à peu près entre 12h30 et 13h30. D'ici là, je vous souhaite donc de très bons débats. Merci. Bon, merci Charles. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voyager un peu dans le monde de Foodies 2.0. Comme vous savez tous, les réseaux sociaux sont devenus tellement importants dans tous les secteurs, y compris le secteur du food. Donc, on va regarder ça, on va essayer de savoir comment ça a un impact sur votre industrie, votre secteur. Moi, je vais poser quelques questions à quelques intervenants. Comme vous allez entendre, je suis anglais. Et en fait, ce débat, au début, c'était en anglais. C'est pour ça que j'étais embauché. Et au dernier moment, on a décidé que c'était finalement en français. Donc, je suis à un léger désavantage. Excuse mon accent. Mais voilà, je vais me débrouiller. Le quatrième table ronde, ça sera en anglais et en chinois. Donc, voilà. Nous avons 4 tables rondes ce matin. Le premier, qu'on va commencer dans quelques minutes, c'est sur le social media listening. Ou comment analyser votre performance dans le social web, voilà. Et sur les synergies entre les plateformes aussi, on va discuter. Quelle plateforme choisir pour communiquer? Facebook, Twitter, Instagram, comment choisir votre plateforme? On va avoir un troisième débat sur le brand content. Qu'est-ce que c'est le brand content? Tout le monde parle de ça et du storytelling. Comment faire? Qu'est-ce que c'est? Et finalement, comme j'ai dit, un focus sur la Chine. À la fin. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas beaucoup de temps. Commençons tout de suite avec notre première table ronde concernant les réputations de nos marques en ligne, de social media listening. Plus tard, on va parler avec ce monsieur-là, Monsieur Christian Vessière de Danone,
qui va être très intéressant, n'est-ce pas? Sure, il m'a dit. Mais d'abord, Serpexa et Link Influence présenteront ensemble le résultat d'une étude sur le secteur de la confiserie, les bonbons, les candies, comme on dit en anglais. En fait, en anglais, on dit sweeties aussi. Et donc, je laisse la scène à Claire Maurice de Serpexa. Bonjour. Et Fanny Forgeau, directrice des études Link Influence. Voilà. Donc, ils vont présenter leur étude sur les sweeties. Merci. Alors, en effet, aujourd'hui, on voulait... Allô ? Vous m'entendez ? On voulait vous proposer d'aborder aujourd'hui les opportunités du social media listening pour les marques de food and drink. On a pris un cas concret autour du secteur de la confiserie qu'on a réalisé avec les outils de Linkfluence et l'équipe de Fanny ici présente. C'est une étude qui a été réalisée sur un scope français-anglais et on viendra dans le détail sur la méthodologie juste après. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire un mot sur ce qu'était le social media listening, comment on l'avait abordé. Alors, le social media listening, c'est évidemment l'écoute et l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux. Alors, qui dit conversation sur les réseaux sociaux dit conversation spontanée. Donc, ils vont pouvoir partir sur des sujets divers et variés, aussi bien sur le contenu associé à la marque, son image, la façon dont on utilise le produit, mais aussi des choses qui peuvent être un peu dérivées, un peu originales, ce qui va venir souvent compléter les insights que vous aurez dans les études de marché plus traditionnelles. C'est aussi souvent généré par des pseudos, enfin des gens qui vont se présenter de manière plus ou moins anonyme, ce qui va pouvoir lever certaines barrières. Et c'est également des conversations qui sont émises dans the real life. Donc, ça veut dire à un moment où le produit va être consommé, où le produit va être préparé, va être ouvert son emballage, ou alors sur le lieu d'achat. Donc, on est vraiment sur, je dirais, la vraie vie du consommateur, du patient, enfin, de la personne qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de suivre donc l'image d'un produit, sa notoriété, faire des benchmarks par rapport à des concurrents, bien sûr. C'est aussi un moyen d'accéder aux communautés qui vont s'exprimer sur la marque. Je dis communautés et territoires de communication qui ne sont pas forcément des territoires qui peuvent être facilement reliés à une marque de prime abord. Je prends l'exemple du cognac. Alors, le cognac aux États-Unis est abordé très différemment de la façon dont il est abordé en France, produit plutôt traditionnel, utilisé en fin de repas par des gens plutôt d'un certain âge, c'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Aux États-Unis, il a été utilisé et est devenu la boisson emblématique de la communauté hip-hop. La marque qui va détecter ce territoire de communication la première et qui va savoir utiliser ses codes, va évidemment permettre de gagner des parts de marché avant ses concurrents. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qu'on va trouver à travers les conversations sur les réseaux sociaux. Donc c'est notamment intéressant quand on veut faire de l'export, quand on ne connaît pas les habitudes de consommation d'un pays, comprendre qui peut utiliser notre produit, de quelle manière, dans quelle routine il peut s'inscrire. C'est aussi une combinaison d'expertise aussi bien technologique, parce qu'il faut savoir rapatrier le contenu pour pouvoir l'analyser. Quand on voit parfois les centaines de milliers de tweets ou de commentaires qui sont émis sur un produit, ça devient très difficile d'appréhender les tendances et encore plus les signaux faibles. C'est pour ça que les outils tels ceux de Linkfluence vont nous aider à analyser le contenu. C'est aussi une expertise qui va faire appel à la connaissance des secteurs et des marchés. La connaissance linguistique, notamment, est importante à avoir parce qu'il faut savoir employer parfois de l'argot utilisé dans les réseaux sociaux. Les adolescents vont employer un langage qui n'est pas celui qu'on trouve dans la presse, par exemple. Et c'est aussi une expertise qui va faire appel à des compétences marketing pour pouvoir comprendre le discours et le positionnement ensuite du produit à suggérer. Tout ça dans une approche pratique pour émettre des recommandations de positionnement ou de brand content. Voilà un petit peu donc le contexte dans lequel s'inscrit notre étude Candice 2.0 qu'on a réalisée donc sur du contenu francophone anglophone. Et là, je laisse la parole à Fanny. Bonjour. Je suis ravie de... Non. Alors, hop. Bonjour.
Je suis ravie de représenter l'Influence en côté de Sopexa ici au CIAL aujourd'hui. Et effectivement, l'Influence est à la fois une entreprise technologique, un éditeur de logiciels dont je vais vous parler, qui permet de capter toutes les conversations dont on va vous montrer quelques extraits ici. Et c'est également un institut d'études et nous sommes spécialisés dans le social media intelligence. Donc nous donnons du sens aux données issues des médias sociaux, des réseaux sociaux. L'approche que nous avons adoptée pour cette étude que nous vous présentons aujourd'hui sur les bonbons, c'est appuyé sur une méthode très simple. On a capté l'exhaustivité, tout ce qui s'est dit pendant un an sur un périmètre anglophone et francophone, donc pendant un an sur les réseaux sociaux majeurs, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, mais aussi sur les médias, sur les blogs, sur les forums, donc sur le web plus traditionnel. Ce chiffre, il est intéressant, 900 000 tweets par mois, 900 000 tweets par mois sur le web francophone et le web anglophone, presque 1 million donc de tweets sur cette catégorie, sachant que notre méthode a consisté à capter tout ce qui se disait sur les bonbons de près ou de loin, c'est-à-dire des noms génériques, candies, bonbons, mais également les marques. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça représente, 900 000 tweets? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Donc, pour avoir un référentiel, vous voyez ici que la catégorie bonbons suscite 3 fois plus de tweets que la marque Coca-Cola. Et ces chiffres permettent de situer la catégorie bonbons dans un ensemble de référentiels. Ce que montre ce chiffre qui est important, donc, on le voit en comparaison, c'est que les bonbons suscitent beaucoup de conversations. Quand on rentre un petit peu dans le contenu, puisque l'outil ne permet pas que de capter de la donnée, mais également de l'analyser, je vais y revenir, on se rend compte que la catégorie bonbons suscite beaucoup d'affection. Les internautes s'approprient la catégorie bonbons pour mettre en scène leur propre quotidien, pour mettre en scène leur récit de vie. C'est ce que montrent notamment des réseaux sociaux comme Twitter, comme Pinterest ou Instagram. L'outil qu'on utilise s'appelle Radarly, et comme je disais, c'est un outil qui va capturer, qui va aspirer la donnée sur les réseaux sociaux, le web 2.0 et le web traditionnel. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un dashboard, c'est un outil qui nous permet non seulement d'accéder à la donnée, mais aussi de l'analyser, donc à travers des visualisations qui vont nous aider à donner du sens à la donnée, comme ici par exemple ce nuage de mots. Et quand on rentre effectivement dans la donnée, on va regarder le registre lexical qui est utilisé par les individus. On va aussi regarder les marques qui ressortent. On va regarder les pics. Et on s'est rendu compte sur cette période qu'un pic apparaissait autour de la campagne Tagada Purple. Et alors, ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est que donc 1800 tweets ont été publiés autour de cette campagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a que 40 qui ont été postés par la marque elle-même. C'est un ratio assez intéressant. C'est une campagne qui a donc suscité de l'engouement de la part des consommateurs et qui n'est pas uniquement un engouement provoqué. Et cette approche de social media listening permet donc, comme on vient de le voir à l'instant, de s'intéresser au contenu qui est publié par les marques, donc le contenu provoqué par les marques. Mais l'approche permet également de s'intéresser à ce qu'on appelle le user-generated content, c'est-à-dire tout le contenu spontané, le contenu que les consommateurs eux-mêmes vont publier. Les exemples qu'on va voir montrent, encore une fois, comme je le disais, qu'il y a un véritable attachement de la part des consommateurs à ces marques. On parle véritablement de love brands. En effet, l'objectif pour une marque, c'est évidemment d'avoir du contenu qui va faire qu'elle va être intéressante pour ses fans. Et c'est encore mieux quand les fans se transforment en ambassadeurs. Donc, il y a des techniques, notamment sur les points de vente, qui vont être utilisées pour que les fans, les acheteurs, se transforment en ambassadeurs et faire du store to web et ensuite du web to store. Donc ça, c'est le cas avec notamment des photos qu'on a retrouvées sur Twitter qui ont été prises dans le point de vente de Londres de M&M's. Où voilà, il y a un certain nombre de gadgets et d'ustensiles qui sont mis à disposition des consommateurs qui vont leur donner envie de se transformer en ambassadeurs de la marque. D'ailleurs, sur le brand content de M&M, c'est assez amusant parce qu'ils ont 54 000 followers et ils ont donné une personnalité à chacun de leurs couleurs de M&M's,
qui vont pouvoir s'exprimer sur des contenus très larges, parce que il y a le M&M's qui va s'intéresser plus au sport, le M&M's qui va être plutôt dans la communauté féminine, etc. Donc, ils vont pouvoir générer du brand content qui va intéresser un maximum de public. On a vu également le musée Haribo dans le sud de la France, qui est largement, dont les photos sont largement diffusées sur Instagram et Pinterest. Donc, tout ça pour transformer les consommateurs en ambassadeurs, tout simplement. Alors, d'autres tendances sont ressorties de cette étude, notamment le fait que les bonbons sont désormais utilisés comme des ingrédients à part entière. Je dirais comme la farine ou le chocolat, ils sont intégrés à des recettes. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez parlant. C'est sur le panel de documents qu'on a remonté à travers Adarly. On a à peu près 3% des recettes qui ont été postées par les blogueurs et forumeurs français qui intègrent un bonbon dans leur recette. On a trouvé ce chiffre énorme, surtout comparé au chocolat. C'est à peu près un tiers des recettes qui intègrent du chocolat. Donc 3%, c'est vraiment un phénomène fort qui laisse envisager un gros potentiel en matière de brand content pour les marques, pour offrir des discussions, du contenu autour de comment intégrer mon produit dans une recette. Il y a un autre élément aussi qui est ressorti de manière transversale, avant d'en venir aux communautés spécifiques qu'on verra juste après, c'est l'intégration de la confiserie pour les fêtes d'anniversaire. Alors, les fêtes d'anniversaire, ça devient un engouement phénoménal en Occident, où les parents vont devenir des vrais birthday planners. Ils vont vouloir faire des fêtes d'anniversaire les plus surprenantes, les plus originales. Alors, intégrer les bonbons dans les gâteaux, c'est une façon de faire pour amuser les enfants. C'est aussi au sein des chasses au trésor et de tous les petits packaging, les petits cadeaux qu'on fait gagner aux invités, que l'on va voir les bonbons utilisés. C'est aussi une façon pour les mamans en particulier de faire du do-it-yourself à la maison en intégrant les bonbons dans leur composition. Donc ça, c'est, je dirais, deux signaux transversaux que l'on a pu envisager à travers cette étude. On s'est intéressé aussi aux communautés. Je vous parlais des communautés tout à l'heure. Et grâce aux outils de l'influence, on a pu faire émerger différentes communautés, pour certaines plus surprenantes que d'autres. Effectivement, au-delà de la captation de la donnée, de l'analyse de l'existant, on pense qu'il est très important d'être capable, très important que vous soyez capable de saisir les opportunités du web, autrement dit, d'aller au-delà d'un constat statique, mais de s'intéresser aux dynamiques. Les dynamiques du web, c'est la circulation, c'est les dynamiques d'influence, c'est les dynamiques de viralisation. Et pour ça, il peut être très utile de visualiser cette dynamique, donc au-delà d'avoir la donnée brute, de regarder comment elle s'organise, et c'est là que les fameuses communautés dont Claire parlait émergent. Ce que vous voyez là, c'est une cartographie de l'écosystème des bonbons sur le web francophone en l'occurrence. On a fait le même exercice sur le web anglophone et la structure est absolument identique. Vous avez ici plusieurs signaux. Vous avez différentes couleurs qui correspondent aux différentes communautés. Communauté dans le sens tribu, communauté d'intérêt. Ce sont des gens qui s'intéressent aux mêmes choses. Les points que vous voyez, les petits points, représentent des espaces du web. C'est des blogs, des forums, c'est des pages Facebook, c'est des comptes Twitter, c'est des médias également. Et tout ce qui les relie, c'est les liens hypertextes. Je parlais de dynamique, les liens hypertextes permettent de comprendre la circulation des contenus, mais aussi la manière dont les différents espaces, les blogueurs par exemple, se réfèrent entre eux. Donc c'est ce qui nous permet d'observer la viralisation. Et les clusters que vous voyez, le fait que les communautés se rassemblent entre elles, c'est tout simplement parce qu'elles échangent plus de liens hypertextes entre elles. On va regarder un petit peu dans le détail. Quand on zoome sur cette première communauté, sans surprise, la communauté food, c'est une des communautés les plus prolixes de cet écosystème. Bah, évidemment, on trouve, et c'est ce qui correspond au plus gros point sur la carte, on retrouve des espaces qui sont très influents, que vous connaissez déjà. L'avantage, c'est que quand on commence à observer un petit peu autour et qu'on regarde tout autour de ces espaces influents qui se réfèrent à ces espaces influents, on identifie des nouveaux acteurs qui sont des acteurs avec lesquels, c'est peut-être les marmitons de demain, des acteurs avec lesquels vous pouvez éventuellement interagir
auprès desquels vous pouvez trouver des insights, mais avec lesquels vous pouvez aussi communiquer et activer. En effet, si vous voulez identifier quels sont les blogueurs qui montent et sur lesquels finalement activer vos relations presse, c'est un exemple de façon de les identifier facilement, surtout quand on est sur un nouveau marché et sur lequel finalement on ne connaît pas cet environnement de prime abord. Deuxième communauté, pas de surprise non plus, vous connaissez peut-être cette communauté qu'on appelle aussi la communauté DIY, Crafts and Hobbies. C'est une communauté dans laquelle les gens, les internautes sont particulièrement intéressés au loisir, à la création. Donc on trouve beaucoup d'initiatives de créativité. Et quand on regarde dans le détail, autour de l'univers des bonbons, on trouve des initiatives comme ça, des objets qui sont fabriqués autour de l'inspiration bonbon, donc des boucles d'oreilles carambar. Là, on voit aussi des colliers en jelly bellies. Et ça donne quelques idées. Exactement. Quand on voit l'engouement de cet été sur les Rainbow Loom, vous savez, ces petits bracelets qu'on tresse, on peut imaginer que la première marque qui va sortir un fil qui va être suffisamment résistant pour être tressé, bah, pour avoir un succès phénoménal. Hein. C'est un nombre de tweets cet été, je crois que c'était 42 000 tweets sur un mois avec les Rainbow Loom, des ventes phénoménales, enfin un gros carton. Donc on s'est dit que cette communauté était vraiment intéressante pour les marques à suivre. La troisième communauté qui est très intéressante, c'est celle des gamers. Les gamers sont des geeks aguerris. Et évidemment, on trouve des initiatives très, très sympathiques. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses. Ce film qui utilise des bonbons, qui met en scène des bonbons. Je pense que Candy Crush est aussi une très bonne illustration du fait que les gamers sont des amoureux de la catégorie bonbons. Alors aussi dans les opportunités de demain, on se dit que peut-être que les nouveaux entrants, ce n'est pas les industriels de la confiserie d'aujourd'hui, mais c'est peut-être finalement un industriel qui va proposer des imprimantes 3D aux gamers qui vont pouvoir imprimer leurs personnages en sucre. Là, ce sont des sucres colorés qui ont été imprimés en 3D et que finalement, chacun pourra faire du sur-mesure avec ses bonbons ou avec ses sucres. Et quand on est un peu geek et qu'on a envie d'aller sur ces imprimantes 3D avec ces modélisations, ça peut être un avenir pour la confiserie. Dernière communauté dont on va parler, communauté lifestyle et fashion. On trouve énormément d'insights dans ces communautés. Un en particulier nous a particulièrement marqué parce qu'il est très présent. C'est également des dizaines de milliers de tweets régulièrement. C'est le phénomène de la mixologie. On se rend compte que les bonbons sont utilisés en décoration, mais aussi complètement en ingrédients des cocktails. C'est quelque chose autour duquel aussi on pense qu'il peut y avoir des opportunités. Exactement. Pour un distributeur qui vise le CHR, ça peut être un moyen d'identifier le fait qu'il faut renforcer son catalogue de produits et renforcer son offre et peut-être faire de l'activation des ventes croisées avec une marque de bonbons pour montrer comment on peut décorer les cocktails. On vous a parlé ici d'enseignements spécifiques à des communautés, donc c'est des choses qui ne sont pas partagées sur tout l'ensemble du web. Et c'est là que l'approche communautaire, l'approche tribale est intéressante. Mais évidemment, il existe aussi tout un tas d'enseignements, tout un tas d'insights qu'on peut extraire de manière transversale, des enseignements qui sont communs à toutes les communautés. Et la présence des bonbons sur le lieu de travail, mis en scène sur les réseaux sociaux, fait partie de ces enseignements transversaux qui nous ont semblé très intéressants. Effectivement, on observe énormément de photos, de bonbons sur le lieu de travail et autour de ça, tout un champ sémantique autour de la convivialité, autour du bonbon comme un élément rassurant, autour de la fête, etc. Et je pense que vous 4000 posts par mois, 4000 publications par mois sur les réseaux sociaux, périmètre francophone, anglophone. C'est un gros chiffre. Donc on était il y a quelque temps, je pense, sur un signal faible. On est ici sur une tendance croissante, tendance forte, qu'il ne faut absolument pas négliger, je pense. Ça nous
nous a fait rire de voir qu'à l'issue de l'étude qu'on a fait cet été, il y avait la Nubat Agada qui sortait faite par Haribo. Et que c'est vraiment la dimension jeune au bureau, jeunes adultes au bureau, régressifs, qui consomment des bonbons. Donc je vous invite à aller la voir en ligne. Voilà, on va finir avec, je dirais, les signaux sur la santé et les signaux faibles. Effectivement, malheureusement... Analyser le web social, c'est pas seulement des messages bisounours, de la convivialité et des choses agréables comme ce qu'on vient de voir. Notre mission, c'est aussi de vous accompagner dans l'anticipation, la canalisation des risques sur le web social. On a donc été regarder quels étaient les risques associés à la catégorie bonbons. Il se trouve, et c'est une excellente nouvelle, il se trouve que si on prend par exemple tous les risques associés à la santé, sur 100 publications qui mentionnent l'un de ces risques, une seule publication fait référence aux bonbons. Là encore, on a trouvé qu'il était utile d'avoir des chiffres pour comparer. 14 000 tweets par an, périmètre francophone, anglophone, 14 000 tweets mentionnent, associent un risque santé à la marque Coca-Cola. En comparaison, 2 000 pour Nutella, seulement 667 pour Skittles et 92 pour Haribo. Sur les signaux faibles, on voulait vous présenter aussi un petit peu peut-être les problématiques de demain, ou en tout cas celles aussi qui sont déjà connues. La gélatine, c'est un sujet qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est déjà appréhendé par plusieurs marques. On a vu aussi des problématiques associant des colorants alimentaires à l'hyperactivité des enfants. C'est des signaux, hein, je ne rentre pas dans la réalité de ces problématiques. Il y a aussi tous les mésusages des produits. Alors, dans la santé, c'est fréquent. On a vu aussi que ça arrivait avec les bonbons qui vont être coupés, sniffés par les adolescents, trempés dans l'alcool, enfin, voilà, différentes utilisations. Et il y a aussi les problématiques du sucre durable qui ressortent avec des partenariats qui se font et du sucre organique aussi. Voilà un petit peu pour les éléments qu'on voulait aborder ensemble à travers cette étude aujourd'hui. Merci. Je prends le seul micro qui a l'air de marcher. Je ne savais pas qu'on peut sniffer un bonbon. Ça, c'est une nouvelle pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Don't try that at home. J'ai également avec moi Christian Vessier. Vous êtes directeur de Social Media Intelligence chez Danone. Il me dit. Et vous avez travaillé avec cet outil, cette expertise. Et donc, je voudrais savoir, déjà, pour combien de temps avez-vous travaillé avec ça? Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement de travailler avec ça? Bonjour, ni hao. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs chinois dans le public. Nous, en fait, notre approche du social listening a commencé à peu près un an chez Danone. Elle fait partie d'une initiative plus globale qui est ce qu'on appelle en interne une digital transformation, une transformation digitale. Et il y a quatre grands piliers autour de cette transformation digitale chez Danone. Une qui est justement sur la partie listening, je vais vous décrire très brièvement. Une autre qui est sur la partie média, c'est-à-dire comment est-ce qu'on optimise le média en incluant le digital. Une autre que vous évoquiez qui est sur le contenu, c'est-à-dire quel contenu aussi on développe de manière spécifique pour le digital, puisque c'est complètement différent d'une certaine façon des autres médias. Et enfin, toute la partie vente, là aussi, comment est-ce qu'on optimise la part du ce qu'on appelle le e-retail dans nos ventes. Donc le listening, déjà, je dirais que c'est vraiment à la base, c'est le fondamental, c'est écouter le monde dans lequel on vit, mieux comprendre nos consommateurs, mieux comprendre nos catégories. Et je dirais même plus que les consommateurs, c'est ce qu'on dit en anglais, les différents stakeholders, les différents acteurs qui peuvent intervenir, parce que c'est ça qu'offre aussi le digital, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors c'est à la fois un gros avantage, mais c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir structurer cette information. Donc on a très vite identifié le besoin de faire de l'écoute digitale parce que c'est volumineux, ça concerne chacun de nous, les gens s'expriment, et aussi tout le monde lit ce qui se passe sur l'Internet. Donc ça a une influence qu'on arrive à mesurer, sur les perceptions que vous pouvez avoir sur les marques, sur aussi les catégories et in fine sur nos comportements.
Donc, c'est tout sous cet aspect qu'on a pris en compte. Et comme je vous le disais, en fait, on a commencé il y a à peu près un an où on s'est dit il faut qu'on ait un partenaire qui nous aide à, encore une fois, récolter cette information, mais surtout nous aider à la structurer en fonction des objectifs. Donc, on a fait un appel d'offres. On a eu 10 sociétés qui sont essentiellement représentées ou représentantes plutôt d'Europe et d'Amérique du Nord. Et on a, in fine, sélectionner un partenaire qui nous permet justement de faire ce travail. Alors, si votre question après, c'est les objectifs, on a 3 grands objectifs. Plus tard, mais continue. Plus tard. En tous les cas, ça fait le lien avec ce qu'on disait. On a un premier objectif qui est une clé d'entrée assez facile sur l'écoute des conversations online. C'est l'anticipation de crise, la détection de crise. Et ça, je pense que chaque acteur dans le monde agroalimentaire est confronté à ça. Donc, ce n'est pas simplement des sujets qui sont relatifs aux marques, mais c'est aussi des sujets qui peuvent être relatifs à des problématiques de santé publique ou aux catégories, en fait. Donc, ça, c'est un premier grand pilier. On en a un deuxième qui rejoint plus la présentation de Fanny et de Claire, qui est sur la réputation de marque, ou en tous les cas, ce qui est dit sur les marques et qui vient enrichir ce qu'on sait par ailleurs avec des approches plus traditionnelles. Et là, moi, j'ai à cœur, en tous les cas, de pouvoir aussi construire cette information autour d'objectifs plus marketing. Peut-être qu'on y reviendra après. Et on a un troisième grand pilier qui est peut-être le plus difficile, ou on va dire le moins évident en termes de recherche. C'est sur la recherche d'insights assez appuyée. On va utiliser l'information qui est disponible sur Internet pour rechercher de l'insight consommateur et détecter de la tendance. Et je dis que c'est le moins évident parce que, contrairement par exemple à de la réputation ou de la détection de crise, on va avoir affaire à beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, type Twitter par exemple. Là, c'est beaucoup plus une information qui se passe dans les blogs, les forums, qui sont une source très riche en fait, d'expression des gens, même si c'est une minorité qui s'exprime. Néanmoins, en projetant ça et en élaborant sur le fait aussi que beaucoup de gens sont exposés, ça nous aide aussi à réfléchir sur de nouveaux axes à la fois de développement de produits ou de communication. Comment ça fonctionne en interne? Vous avez une équipe qui regarde le dashboard tous les jours. Comment vous étudiez tout ça, en fait? Alors, il y a 2 grandes façons de travailler. On a effectivement en temps réel et on est équipé d'une plateforme qui nous permet, en fonction de mots-clés et de champs sémantiques qu'on définit, de regarder ce qui se dit et de pouvoir structurer là aussi en termes de délivrables qui nous intéressent. Aujourd'hui, on travaille en centrale ici à Paris avec cette plateforme et également dans 4 grands pays européens, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et on fait des projets aussi d'extrapolation sur d'autres pays. On parlait de la Chine, on a eu des projets aussi sur la Chine et d'autres pays du monde. Mais pour les 4 pays que je citais en centrale, c'est essentiellement de la veille. C'est-à-dire des gens sont équipés avec la plateforme. Et en fonction aussi du département dans lequel ils travaillent, parce que les 3 objectifs que je vous citais impliquent pas mal de départements, que ce soit le marketing, la partie études marketing, la partie stratégie, la partie communication, la partie qualité, la partie PR, la partie public affairs, health affairs. Vous voyez, on a un nombre de stakeholders qui est très important. Et en fonction de ces différents interlocuteurs, en fait, ils vont façonner le type d'approche qu'ils vont avoir avec la plateforme à leur convenance, en fonction de leurs objectifs. D'accord. Et ensuite, il y a une deuxième approche qui est plus, on va travailler avec notre partenaire pour travailler sur des sujets plus en profondeur. Et là, c'est pas en temps réel. On va en fait avoir un peu une approche assez standard avec des instituts d'études qu'on aura là avec notre partenaire digital, pour lui soumettre un brief et travailler ensemble sur un délivrable qui sera plus sophistiqué dans le type de recherche, en tous les cas. D'accord. Et s'il y a des gens parmi notre public qui n'ont pas commencé le social media listening dans leur société et qui veulent commencer, est-ce que vous avez un avis pour eux, des tips, comme on dit en anglais? Alors, je pense qu'il faut... Il y a 2 aspects. Je pense qu'il y a un aspect qui est... il faut réfléchir au type de problématique qu'on veut adresser avec une approche social listening. Mais vous pourriez me dire, ah oui, mais ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, en parallèle, j'inviterai les sociétés intéressées à rencontrer
des partenaires, enfin nous on les appelle les pure players sur, sur la partie écoute, écoute digitale. Et je pense que de ce dialogue aussi naît une meilleure compréhension et une, en fait le fait de pouvoir affiner ses besoins. Parce que ce, qu'on a ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens en interne, alors déjà le fait que des applications de base ne sont pas forcément connues et à la maîtrise de tous, et quand on va sur l'écoute digitale, peu auraient imaginé qu'on pouvait justement, par des clusterisations sémantiques, pouvoir mieux comprendre ce qu'on appelle les motivations à l'achat, des freins à l'achat, les moments de consommation des journées, qu'on traite plutôt de manière traditionnelle avec des questionnaires. Donc là, l'approche, elle est vraiment de se servir de... C'est un peu un magma d'informations, de traces qui sont laissées par les gens, et d'aller dedans et de structurer ça en fonction de ce qui nous intéresse comme objectif. Donc voilà, c'est toujours lié, hein, cet objectif qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de cette data, mais en même temps, le partenaire est là aussi pour vous proposer, vous suggérer des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé auparavant. D'accord. OK, bon, on est déjà un peu en retard, mais on a commencé un peu en retard. Ben, je vais retourner vers Fanny et Claire. J'ai deux questions pour vous. Voilà, d'abord, j'ai une question pour Fanny. On a vu le écosystème, on a vu les mums, on n'a pas vu les papas. Ils sont où les papas? Les papas sont aux côtés des... Les e-dads sont aux côtés des e-moms, donc dans la communauté crafts and hobbies, mais aussi dans la communauté food. C'est sûr que les pères sont également des blogueurs. Ils se positionnent peut-être moins facilement en tant que père lorsqu'ils bloguent, mais ils sont présents. Je vais en finir avec vous, Claire. Désolé pour le manque de temps. Mais avez-vous d'autres exemples? Vous êtes de Sopexa, une agence qui est de conseil pour les clients. Est-ce que vous avez d'autres exemples, des choses concrètes que l'utilisation de cet outil a apporté à vos clients? Comment faire du business avec ça, en fait? Alors, on a un exemple d'une société qui voulait investir le marché chinois avec son produit. Et c'est un produit sans. Alors, je ne vous dis pas sans quoi, mais c'est sans quelque chose. Cette société nous dit, bon, j'ai besoin de trouver des canaux de distribution. Non, je crois que ça fonctionne, merci. Et je veux positionner mon produit, quel est le meilleur canal? Alors, on a regardé déjà ce que ça voulait dire un produit sans en Chine, et ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'en Occident. Ce n'est pas du tout un concept qui va être retenu en Chine, puisqu'ils sont complètement en demande de nouveaux produits. Donc les produits sans, c'est déjà un point qui n'est pas très facile à aborder pour eux. Donc en fait, on a suggéré à notre client plutôt de mettre l'accent sur son égérie qui était connue en Chine, sur un positionnement bien-être et non pas santé par rapport à son produit sans, et de revoir complètement la façon dont il voulait orienter les choses initialement. Il ne connaissait pas le marché chinois et ça a été une façon pour lui de le découvrir. J'ai un autre exemple. Dans les quatrièmes gammes, où on s'est rendu compte que la future maman, la femme enceinte, avait beaucoup d'interrogations par rapport à ses produits et qu'aujourd'hui, les industriels n'y répondaient pas, que les médecins n'y répondaient pas non plus. Donc, les femmes ne savaient pas vers qui se tourner et on voyait énormément de questions sur les forums de discussion sur dois-je laver mes produits de quatrième gamme? Est-ce qu'il y a plus de risques de listeria, etc. Et ça peut être aussi un insight intéressant à préempter par les marques. D'accord. Une dernière question peut-être pour Fanny, on est vraiment en retard, mais je veux profiter pendant que vous êtes là. On parle beaucoup de buzz et de viralité dans les social media. Comment ça marche? Comment créer un buzz en fait? Si j'avais la recette, je pense qu'il y a beaucoup de monde viendrait me poser cette question et je pense pas que je la donnerais aussi facilement. Je ne peux pas vous donner la recette du buzz. En revanche, je connais la recette de l'évaluation du buzz et surtout de l'anticipation du buzz, l'anticipation du bad buzz. Tout est dans l'observation des différents types de sources qui vont s'emparer du sujet. Un sujet qui se cantonne à quelques réseaux sociaux et qui ne va pas jusqu'à des espaces davantage publics comme les médias, etc. On considérera qu'il est cantonné et que le risque est moindre. Et notre capacité d'anticiper des phénomènes de viralisation et de spread, c'est l'observation attentive des types de sources, des auteurs. Et un problème deviendra un sujet de crise lorsqu'il deviendra un sujet public,
Donc un sujet visible de tous et pas uniquement cantonné à des pages privées de Facebook, par exemple. Donc ce n'est pas uniquement une histoire de volume, c'est aussi une histoire de la nature des sources et bien sûr la nature des auteurs et la nature des arguments que les auteurs vont utiliser. Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur des arguments experts ou est-ce que ça va être plutôt profane, etc. Donc tout cet ensemble d'indicateurs, on le prend en compte pour analyser un phénomène naissant depuis l'origine et pour être capable d'anticiper. Après, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas dire si ça va exploser ou pas, mais on est capable, en suivant en temps réel, on est capable de canaliser et de gérer le risque et la crise aux côtés de nos clients. D'accord, ok. Donc il y a des opportunités, il y a aussi les challenges, des problèmes éventuels aussi. D'accord, well, je pense qu'on est obligé d'en finir là avec cette table ronde. Merci Claire, merci Fanny, merci Christian. Vous êtes tous excellents. Je vais vous inviter de rejoindre vos collègues parce que je dois commencer le deuxième table ronde tout de suite. Mais merci, peut-être un petit clap pour eux. Oui, super.